Astre Radieux qui sort demain officiellement dans tous les magasins. Ouais, mais du coup, jour férié pour fêter l'ouverture. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça serait bien de sortir ça aujourd'hui. Yes. Sachant qu'on l'a reçu hier, tout juste. Oui, voilà. On n'a pas eu de grosse preview, hein, on n'a pas reçu ça il y a 10 ans. Et on a hâte de découvrir cette extension, on n'a pas du tout ouvert. Voilà. On n'a pas ouvert en japonais, on n'a pas ouvert en français. Et du coup, on s'est dit qu'on garderait tout ça pour plaisir ce jour-là en vidéo, voir si on a de la chance ou pas. Donc c'est on ça, espère exactement. Que ça fait plaisir, pas hésiter à mettre un. On espère avoir de la chance quand même, un minimum. Et puis si jamais on a de la chance, même si on n'a pas de chance, on tentera la chance, puisque on a acheté quelques displays, puisqu'on s'est réservé justement pour ça en français, pour découvrir l'extension en français, pour justement pas partir avec le côté japonais, on avait déjà tout, et puis de toute manière... Le jeu japonais, c'est un peu compliqué, les stocks, les douanes et tout, c'est vraiment chiant. C'est ça, exactement. En tout cas, il faut faire péter avoir 2 pouces bleus, il faut s'abonner à la chaîne, il faut nous dire si ça vous plaît. On sait qu'il y a du monde qui nous regarde toujours pour Pokémon, malgré que ce soit moins la hype de l'année dernière ou de fin d'année dernière. Ouais, mais vous le sentez aussi. Bah non, mais non. On kiffe toujours, on adore ouvrir et on attendait le moment où on s'est un peu restreint, justement pour être content d'ouvrir Astre Radieux. Bah de ouf hein, les paquets sont très brillants. Les paquets sont magnifiques. Ils sont très, très pourris en termes de. Ah oui, là-bas. Ils sont. On dirait les réimpressions de Ténèbres et de Steel. Oui, un peu ça. Ouais. Donc, Typhlosion d'Issui. Dialga en forme originelle. Palkia, Dialga en forme originelle. Clamiral d'Issui et. Et Flèche d'Issui. Et Flèche, bien sûr. Ils sont très jolis, ils sont un peu miroir. Arcaduc. Ah, oh, ça va. Et Flèche d'Issui. Et là, ils sont très sympas. Je crois que c'est Mewtwo. Oui, bah t'as dit, déjà t'as dit Dialga. Non. Je crois que c'est. Gumi, si je vois, c'est le premier à avoir dit ça, Dialga sur Palkia. Vas-y, moi je joue cela. Donc, ouais, s'il vous plaît, tranquillement, on va avoir toute une display. Et puis, si vous êtes chaud, il y aura une autre vidéo. Donc, 36 boosters. De cette nouvelle extension. Avec du coup un quota ou pas de quota. Qui regroupe du coup l'extension qu'on avait ouvert en japonais avec, vous savez, les V-Stars des 3 starters, mais aussi les 2 extensions qui sont sorties au Japon en même temps, donc celle d'après, juste après, avec Dialga et Palkia, où vous avez notamment des Racers Foulard, Palkara, Adamantin et tout. Et Belida aussi qui est dedans. Aquacoac. Et du coup, ce qui est stylé, c'est. Ça va être vraiment Pokémon. Oui Pokémon Go. Non, pas du tout, c'est la prochaine extension. Ah Pokémon ici. Elle est trop mignonne. Franchement, l'artwork il est juste magnifique. Hein. Il est magnifique. Vraiment incroyable. Démenta. Voltorb d'Issui, donc en version bois. Beaucoup de Pokémon d'Issui, fossile inconnu. T'avais quoi comme. Ok. Ah, bah t'avais. Ok, d'accord. J'avais un code. Ah oui, ouais, mais t'as rien dedans. Magnézone. Premier holo. Tiens, on va mettre les autres côtés, comme ça on va voir qu'est-ce qu'on a dans une boîte. Ouais. Ou l'autre côté. Voltaire d'Issui. Du coup, ils sont tous un peu dans le. Si vous êtes fan de Pokémon. La Lazuli avec le bateau derrière et les cornes. Si vous êtes fan de Pokémon Légende Arceus. C'est l'extension, avec un E majuscule. Qui est plutôt fat. Il y a aussi des Pokémon radieux. Radiant. Astre radieux. Astral Radiance. Radiant. Kirlia, Lino. Je sais pas qui c'est. Ponyta. Bravibou. Archéomir, Moustillon. Donc bien sûr, les starters de Charles d'Échange et Givrali. Les starters d'Issui aussi. Il n'est pas dans la neige, Givrali. Givrali, non, il est. Ouais. Moi je joue ma pile. Il a une baie, t'as vu? Il a sa patte sur une baie en disant c'est ma baie. Ouh! Ah, j'ai une. Ah oui. Donc ça, ils ont gardé. En même temps, il y a des V-Stars, donc il faut bien les envoyer. Il faut. Alors, Sika, parce que j'ai plus qu'une. Mass Ball d'Issui, Psychoquack, de toute manière on a regardé un petit peu, il y a des tripacks un peu partout, nous on n'a pas pris des jeux tripacks. Non, on a préféré vraiment se réserver la première display, vraiment découverte totale. En fait on a acheté, pour être honnête, on a acheté un carton de display, en fait on a acheté que ça. Voilà. Je pense qu'on achètera que ça, peut-être après si les ETB, peut-être des coffrets particuliers, s'il y a des coffrets plus stylés. Ouais, exactement. Hippopotas, Serbilin, et Inolo. Ah non, moi j'ai Tonikis. Serbilin c'est peut-être une holo, non? Serbilin c'était une holo reverse, ouais. Tonikis donc 2 holo. 2 holo. Bah non, mais j'en ouvre 3, vas-y, tiens. Tu peux continuer ma pile que j'ai pris au hasard ou que j'ai pris dedans, mais ça se trouve qu'il est nul. Ça se trouve, t'as pas de chance, t'as mal pioché. Oula, il s'est ouvert d'une façon. Chelou. Hein. Donc ouais, ils sont très. Très lits, très. Bah, j'ai bien pioché. Mais du coup, si ça avait signé une holo. Hein? Si c'est encore une holo. Oui. Oui. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas ouvert beaucoup de Pokémon récemment. Un petit peu quand même, si vous avez regardé. Quand même, avec Bélila, les coffrets. Kirlia. Un peu toutes les extensions, mais. Scalpion.
qui est trop moche. On n'avait pas envie d'acheter de Jap parce que le problème c'est que la dernière fois, avant Star Étincelante, on a acheté du Jap, on a eu Dracofeu. Yanma. Bah, Dracofeu alternative, parce que c'est alternative, on a ouvert du français, on a eu des erreurs alternatives, ouais, on ne sait pas combien de trucs. Magneton. Oh, oh non, pas dès le début. Ça met la barre trop haute. Ah ouais, ça met la barre trop haute. Non, 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 tu touches à rien. Non, mais attends, attends. Tu. Attends. Il y a Dialga, non? Psy. Oh, petite éclosion de ici. Elle n'a pas d'alternative de toute manière. Ouais, puisque, donc bah, c'est celle de, celle qui sortit de l'extension. Voilà, exactement. On non, on l'avait pas eu. Petite éclosion de ici. Non, on l'avait pas. Non, je crois qu'on a vu. Il est en V-Star aussi, du coup en V-Star Arc-en-Ciel. Ah, elle est trop et bien. En, non, en Gol, c'est Clamiral. Il n'y a que Clamiral. Ah, il n'y a que Clamiral en Gol. Ah oui, c'est vrai. C'est chelou, tu vois pourquoi ils ont choisi. Elle est trop bien. Explosion de Issy, bah, trop c'est cool. Bah, ah, bah, c'est bien, c'est cool. Mais surtout qu'elle n'existe pas en alternative, donc là, il n'y avait vraiment aucune sorte d'alternative. C'est ça, exactement. Puis Explosion, c'est un peu. J'ai eu peur parce que. C'est un peu le Dracofeu de Réargent, quoi. Oui, oui. J'ai eu peur parce que. C'est ça, comme le fond, du coup, ça te disait pas que c'était pas une alternative, je me dis ça va être tout pourri. Et non, ça va, c'est bien. Ouais, ça va, c'est bien. Petit fusion du super. On n'est pas calé sur tout ce qu'il y a dans l'extension parce qu'on a pas trop. On a regardé ni prix ni rien. Non. Vraiment, on est allé en mode chill, quoi. On était un peu écœuré de Pokémon. En plus, le contre-coup de l'hype, c'est que bah, les magasins se retrouvent avec des stocks monstrueux avec des prix exorbitants. Oui. Du coup, c'est bien fait pour eux, remarque. bah, ceux qui mettaient des ceux prix qui mettaient exorbitants. Des prix exorbitants, mais du coup, ça déhype un peu. Et nous, on avait envie de se re-hyper. Du coup, on avait choisi de ne pas faire de japonais. Oui. De ne pas ouvrir en avance des pré-release kits ou des tripas qu'on aurait pu avoir. C'est-à-dire, on va se concentrer sur ça, quoi. Ah, elles sont mal cut. Elles sont ultra mal cut. Faut un misprint. Oh, c'est une TG. Yes. Donc, Trainers Gallery. Ça veut dire ça, exactement. Les galeries des dresseurs. Oh, Dralina. Donc celle-ci, elle faisait partie de ce qu'on avait. Oui, on l'a déjà c'est eu. Ça, ouais, exactement. Partie de l'extension, il y a justement Typhlosion et. Du coup, derrière rien, Registeel. Dralina, bon. Dralina, voilà. Bah ouais. Voilà, cool. Alors, première carte. Yes. TTG. Je sais pas si ça va être comme Star Étincelante. Attends, t'en as ouvert 3? Non. T'en as ouvert que 2. Attends, c'est à moi. T'as déjà eu 2 trucs, ça. Et alors? J'ai plus de chance. En plus, c'est mes boosters. J'ai choisi et tu me les as piqués et t'as eu la foulard. Regarde, j'ai encore un truc. Est-ce que elles vont avoir une foulard, deux foulards, une gold, une pas gold? Les gold, il y en a des biens, les gold, il y en a des biens, ouais. Il y a l'endroit où il y a Dialga et Palkia, justement, le temple Sinnoh. Oh là 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 là, elle est partie vers la gauche, elle est en bas à gauche. C'est très mal cut, oui, très très Miel. Mal cut. On observe. Cranidos, Dementa. Un set en. Barquant, tu en vois. En gradé 10, c'est très compliqué. Oh, t'as une V. Ah. T'as tout spoil, t'as une V. Medina, oui, mais une V avant. Ah, t'as une V avant! Du coup, j'ai une V. Oh punaise! Non, mais c'est une blague! Oh, c'est qui? C'est qui? Oh! Elle est magnifique! Oh, mais je savais même pas qu'il l'a mis là-dedans. Elle est magnifique! Vas-y, laisse-moi des trucs là. Wesh. Elle est incroyable! Elle est magnifique. Elle est très magnifique. Bah, du coup, en plus, avec la dresseuse qui a IP, mais oui. Non, mais vraiment propre. Ah, elle est mais attends, magnifique! Mais non, j'ai. Ah, bah si, j'avais un code! Oh punaise! T'aurais pu avoir double carte. Et Fragility, il suit du coup Pokémon, il suit. Oh, elle est incroyable. Bon, c'est pas du tout Gellar, ça marche pas très bien, c'est pas issu, mais. Bah non, ouais, du mais coup. Je crois que ça, c'est une carte qui était dans l'extension japonaise où t'en avais 10 millions là. Qu'ils ont complètement scindé pour meubler en français et qu'ils auraient dû sortir tel quel. Ça aurait été génial d'avoir dans les cartes européennes et américaines d'avoir la même extension que les japonais où t'avais plein. Ah, Vmax Kimax. Vmax Kimax. Ouais. Ouais. Et en fait, non, ils ont sorti. Mais trop cool! Elle est très très belle! Franchement, feu! Combien? Donc, hein, faudrait avoir. Bah, une petite arc-en-ciel, une petite gold. Ouais. Mais non, mais feu! Un dresseur. Ah, oui, par rapport à feu. Bah, Typhlosion. Pourquoi feu? Feu, starter feu, starter feu. Enfin, bah, oui, mais c'est pas feu, c'est obscur et là c'est psy. Ils sont feu quand même. Non, c'est obscur et là c'est psy. Ils sont feu quand même. Non, c'est obscur, là, c'est énergie, Quillpix de Hisui, yeah, Cormier qui est en full art, Nerfang, magnétique, très dur à voir, ils auraient dû mettre dans une faille Tarsal avec le monde derrière. Ah yes, on reconnaît dans tout l'artwork de là aussi. Ah là. Énorme, ouais, c'est ça bon. C'est énorme. C'est giga. Ouais, ouais. Barbache aussi sur le pont. Shaglam et Regirock. Bah on saura plus ou moins, je sais pas si vous avez déjà vu des ouvertures, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu. Bah on a 36 boosters à ouvrir donc il faut quand même. Je suis là et celui-là. Vas-y. Bon, bah, ça commence super, joli, que l'on commence trop bien et que. Qu'on ait un moment de flottement. Ouais, exactement, c'est souvent ça que ça, ce
qui arrive dans cette version. À la limite, il vaudrait mieux avoir pas de code, parce que comme ça, au moins, on sait qu'on n'aura pas de grosses cartes si jamais il y en aura d'autres. Ou alors oui, des bah, dés, oui. Quoi. Oui, 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 oui. Hop là, énergie. Je sais pas si on peut avoir mieux qu'une V, étant donné qu'on a eu la V, en fait. Ursaring. Ah oui. Quill Fidget. Que... Brindibou. Enfin, je sais plus, par rapport à Star et Instant. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Dans le même booster. Moustillon. Attends, mais j'ai pas eu Quill Peak au début. Non. Non. Hoot. Medina et Grenina. Mais donc, bah, Grenina qui est mieux comme ça que. Bof. Et du coup, est-ce que c'est la même carte? Attaque le brutal. Ah ouais, c'est la même carte. C'est juste le visuel. Ouais, c'est ça. Pour faire une version. Faire un... Je suis content. Hein. Un mince, un deck. Punaise! Qu'est-ce que tu fais? Bon, de toute façon, j'ai un code blanc. Ah oui. Mais ça trouve un truc à la main. J'ai mis la. Oh là 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 là. Bah bon, Brindibou, Moustillon, bah du coup, ah, il faudrait faire ça comme ça, t'es sûr que t'as rien. Ah oui, j'avoue, et du coup, garder la. Manizone. Oh, pas mal. Holo Reverse. Ouais, Holo Reverse. T'as vu quand même la Manizone du début. Ah oui, attends, j'ai pas eu d'Holo moi. Non, j'ai rien eu. Moi j'en ouvre 3. Donc je me flagelle, je remue le coup de noix après. 3. Non, j'ai pas eu d'Holo, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, j'ai rien eu, mais c'est pas grave. Non, mais c'est toi, moi je t'aurais laissé ouvrir le booster pour tes trucs, mais. Bah après. Non, mais oh, on commence tout juste. Tu vois, j'ai rien non plus. C'est de ta faute. Comme ça, t'auras rien non plus. Ah là, tu chouchous. Le pot de colle. Vous voulez voir le lapin? Il va très bien. Hippodocus. Il n'allait pas bien, on avait peur. Il a fait congestion, je sais pas quoi là. Hein, il voulait pas. Scarino. Qu'on a eu en shiny. Oh, t'es dur. T'as vu, trop mignon. Regarde, c'est toi. Il mange pas la carte. Non, il est. Voltorb, c'est toi. T'as pu voir un truc, t'as même pas fait gaffe. Go... Ah oui, oui, c'est vrai. Oh, Arcanin de Issue, elle est magnifique. Mais dommage que ce soit pour Nolo. Mais je crois que celle-ci, on l'a eu dans les Japs. C'est possible. En fait, on a ouvert une micro-partie. Bah, un tiers. On a ouvert ce que vous avez vu, où on avait, vous avez fait gagner les V-Stars. Oui, c'est ça, exactement. De justement, qu'on a 10 millions de fois. Donc là, si on est peut-être moins hypé sur ces V-Stars-là. Je dirais, parce qu'on les on a les déjà a eu pas mal, ouais, c'est vrai qu'on les a eu. Deux fois chacun. Non, trois fois chaque, sauf un qui était Typhlosion, je crois. Énergie. On a eu moins de fois. Hippodocus. Je vais le faire d'ailleurs, est-ce que tu veux regarder la cotation des cartes? Furisson. Non, tu vas être. Pour me déprimer. Farfuret, Tarsal, qui est très belle, j'aime bien l'ambiance, bon, et ce Forêve aussi. Barloche, c'est vraiment l'ambiance Pokémon Arceus, c'est vraiment stylé. Du coup, là, vous voyez, là, bah, y a nous derrière. C'est nous? Oui. Genre Gimim. Mais non, mais ton perso quoi. Et Roublenard. Peut-être la Sulfura. Et encore, non, c'est une V, les V-Max quand t'es plus. Ouais, hein. Mais s'il est pas en. En tout cas, il est pas sur Internet. En même temps, ça vient juste de sortir. Bah oui. À peine, sorti. Ouais. Ouais, c'est que les TG, elles ont pas vraiment de valeur. Hein. Bah. Je me rends pas compte de ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un quota fixe dans les displays et du coup, il n'y a pas de valeur. Parce qu'il y a un quota fixe en fait. Bellila, Aquaquac, Lunette super efficace, Marcacrin qu'on a eu en chemin, Goupilou, Chlorobule, Grelasson, Hippopotas avec Aurel derrière, non. Et. Ah bah Typhlosion de Issue, du coup une Holo Reverse encore. Bah je pense, ouais. Je pense, hein. Bah parce que. Est-ce que les Starfire ils ont mis en Holo? Et Ursa King avec la tourbe. Oh, suis... Horrible, horrible. Ah oui. Quel mauvais souvenir. Oh là là là. Typhlosion en V-Star. Ah non mais juste. De toute façon, c'est tout un commerce un Pokémon. Hein. C'est tout oui, un. Bah oui. Non, pas. Je sais pas ça que je veux dire, c'est tout un. Tout un art. Non, une. C'est une bulle. Oui. Et en fait, si t'as les marchands qui continuent à vendre trop cher, mais qu'à côté les revendeurs de cartes vendent pas cher, et qu'on en retourne dans le magasin qui a trop de sonnerie imprimée, en fait c'est tout un écosystème, voilà, c'est ça. En gros, il faut que ce soit équilibré. Si c'est pas équilibré, ça et là, c'est pas du tout équilibré. Hein. Et en ce moment, c'est. Ouais, si vous voulez faire une collection, bah, autant acheter des cartes direct plutôt que d'ouvrir. Ah, il vous dit après, il y a le plaisir d'ouvrir. Il y a le plaisir d'ouvrir, et ça, vous pouvez pas l'acheter en fait. Enfin, si, là, pour le coup. Bah, des boosters, ouais. Oh! C'est quoi? Ah, c'est les radiantes! Yeah! Ouais. Ah, Brutal Libre! Yeah! Oh, en shiny! Ouais, c'est shiny! Elle est incroyable en shiny! C'est les nouvelles cartes, il y a ça aussi, donc il y a Itran en finale. C'est pas radiante, c'est radieux! Oui, bah radiante en anglais, moi je suis bilingue s'il te plaît. Oh oui, oui, au moins ça. De quoi les shiny? Parce que c'est des versions shiny des Pokémon! Ah, elle est trop belle! J'avais complètement oublié Brutal Libre et en fait quand je l'ai vu, je fais ah oui, Brutal Libre! Mais trop bien! Moi je me souviens de Itran parce qu'on l'avait eu. Mais Brutal Libre, je crois que je l'ai vu sur. Elle est trop belle! Je l'ai vu en vidéo, c'est pour ça. Elle est trop cool! Ah, elle est trop cool! Du coup, il y a un giga effet. Ouais! Et après, du coup, ouais, en rareté, ouais, je crois qu'il y en a deux par boîte. Mais je suis pas sûr.
Donc la cotation une va ou deux, mais il y en a un minimum. Donc, la va être assez minime. Il y en a un minimum, en gros, il y a au moins une par boîte, je pense. Et de toute manière, je crois qu'il y en a 3-4 différentes, je sais plus. Je sais qu'il y a Itran. Franchement, j'ai dit n'importe quoi, donc je vais arrêter de dire des bêtises. Ouais, voilà. Bon, t'as du bruit. Elle est magnifique. Ouais, elle est super belle. Ah ouais, de ouf. Et du coup, elle est partie du set, parce que c'est la 80, elle est en plein dans le set. Ouais, c'est ça. Bah, un peu comme les Amazing de Voltage éclatant. Mais donc, je peux avoir grand chose. Hein. Bah, t'as eu une. Les cartes, elles sont vraiment cheloues, ouais. Regardez si je les tiens. En gros, les peu communes, elles sont arquées à l'envers. Ouais. La rare est bien droite, et les communes elles sont arquées dans l'autre sens. Donc ça veut dire que ça a été fait à 3 endroits différents. Electrode, Vitalité, Barbicha, Pidgeacco, Arc. Oh là 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 là, Bunket. Moustillon. Ah, tant que sinon qu'on peut avoir en gold. Et du coup, Shining. Ah bah oui, du coup, dans son terrain, mais du coup, tu voulais avoir que si t'avais le jeu. Avec toutes les fleurs. Je sais plus c'était quel jeu, si c'était Let's Go. J'en avais un 2 ou 3. 3, tu les avais mis de côté. C'est sûr. Oui. On peut avoir que 2. Non, j'en ai ouvert 3. Bien sûr, j'en ai ouvert que 2. Je vais en dire, ouais, Kim, t'abuses, t'as déjà paqué des trucs. J'en ai ouvert 3. Ils sont au latéral. Ah, si, parce qu'il y a peut-être un autre radieux à voir. Pokémon radieux. Bah, si je mets radieux, si je mets le nombre de cartes. Cormier. Je sais pas si il y a la liste, hein, je pense. Barloche. Et voilà, il est magnifique. Ouais, super stylé. Elle est incroyable cette carte, elle est juste dingue. Moi, je trouve que je n'ai pas mis Pikachu. Quickfish. Démanta, Galam et Philali. Il y en a que 3, je pense. Radieux. Ah, mais oui, mais Radieux, mais il s'appelle Radieux 7. Mais oui. Je crois qu'il y en avait 3. Et, ah, c'est de ta faute là, c'est ton karma négatif. C'est pas la folie. C'est parce que tu m'as dit que je devrais rien avoir et du coup j'ai rien. Digital. Énergie. Oh là là. Yanmega. Selena qu'on peut pas avoir par contre, elle je crois. De toute façon, le marché est relatif hein, et du coup américain. Très fadé, mais c'est une blague, ils l'ont mis en peu commun. La carte, elle vaut 4 balles quoi. Ah oui. Ouais, mais parce qu'il y en a un quota pile. Un elles sont belles en tout cas. Et donc là, il y a Dracaufeu, Tortank qui est Charizard et Evoli qui sortent dans Pokémon Go. Evoli en promotionnel. Ah non, mais. Oh là là, elles sont en bas à droite les cartes. Oh là là, le cœur. Ah, en bas à droite. Attends, c'est des communes. Non, mais comment c'est possible? Là, c'est en bas à droite. Non, mais non. C'est la même planche, c'est commune. Non, mais c'est pas possible. Et flèche. Il y a un problème de print. Et Regice. Oui, il y a un problème de print. Hein. Pour avoir la collection en nickel parfait, chrome, en 10 là. Ouais. Bon, mais je vois. Attends, ça, moi. Non, mais c'est pas grave, regarde, tu passes ton tour. J'ai. Oh. Alors, regarde. Tu vois. Attends, je vois rien. Ah, tu vois vraiment rien là? Bah, à moitié. Je vois un peu. Est-ce que je suis dans le cadre? Est-ce que je suis dans le cadre? Ah, c'est bon, tu me. Oui. Tu me laisses regarder. Élevé, je pense. Ça se voit. T'as peut-être une. Mais non, mais elles sont arquées de ouf. Kryelf, Magnéti. Peut-être une quoi? Tedurza. Une VMAX, non? Y'a pas de VMAX ici. Ah bon? Je sais pas. Un sécateur. Galopa, qui est très très belle. Ah non, oui, c'est une V. Oh, Typhlosion. Ouais, je suis abonné à Typhlosion. Typhlosion, mais. Bah après, si on a Typhlosion en arc-en-ciel, en Vesta, et tout, c'est propre. Hein. Bah ouais. Bon, il est stylé. En fait, il est stylé avec ses flammes. C'est vrai, quand il n'y a pas ses flammes, il est pas ouf. Non, oui. Il vaut mieux qu'il ait ses flammes. J'ai 3 boosters que j'ai. On l'a appelé, on lui a dit mets tes flammes. Totalement au hasard. D'ailleurs, je pense qu'ils sont pesables ou quoi. J'ai vraiment que le booster est tellement pas épais que je pense que. Évitez d'acheter plus en plus, je pense. Tu penses? Oh, ça y est, j'ai enfin un code d'or. En fait, ça va être une holo. Waouh. Je meurs de rien. Ça me fait rigoler. Vraiment beaucoup. On bouge en nouveau. Cochignon, Vitalité, Flo, Barbicha, CF, Squidfish, Cicator, Flo, Yepi, Happy Trini, Fragile, Eddy, Écrémé. Et en plus, écrémé. Ça ne m'atteint pas. Un lapin. Nous sommes forts. Non, lui, il est pas fort. Ah, mais quand il dort, le lapin, ça veut dire qu'on va avoir un truc moisi. Ça l'intéresse pas. Non, pas trop. Les Pokémon, non, pas trop. Oh là là, les cartes, elles sont. Ben, un vrai Miscut alors, dans ce cas-là. On va en avoir un. Happy Trini, Baudrive, Psychoquack, Togepi. Moi, je suis à la recherche du Miscut. Hein. Curry épicé au piment et. Quickpick. Quickpick, qui est mignon. On a combien là? 42. Booster ouvert. Ça. Ah! On est à tout pile la moitié. J'ai eu 2 codes sombres. On est ouvert 16. Ah bah après, il n'y a pas que le code sombre parce que. Ah bah non, c'est 36. Donc non. Temple de Sinnoh. Je sais pas compter, oui, je sais pas compter. Kranidos, Aquacoac, Serfrousse, Hot, Yanma, Krizix,
Simulard. Oh, mais les cuts, quoi. Furuglon. Et une V. Tu peux l'acheter, cette. Pourquoi ça compte pas, non? Pourquoi ils ont mis Goron? Pourquoi ils ont mis cette carte? Elle vient d'où? Elle vient pas des decks? Non, on a des Pokémon stylés, puis t'as Goron. Oui, en fait, d'un coup, t'as des Pokémon pourris. Non, il y a juste Goron, vraiment. Attends, elle peut être en flirt? J'espère pas. Oh non, pas Goron, non, non. Déjà, si, en Shiny, il était pas mal. Monafrine, non, il était en Shiny. Oui, dans Destiny Rabbit. Non, non, non. Si? Non, en Gold. Il était rose. Ah ouais, dans. Flèche Rebelle? Voltage. Voltage, tu crois. Du coup, les golds, elles valaient 5 balles. Mateloutre. Ouais, mais elles ont augmenté. Hein. Rustice. Ouais, elles ont augmenté. Non, elles ont augmenté. Furisson. Tarsal. Farfuret. Insécateur. Barbantua. Chagam. Hout-Hout. Et Steracro. Bah, dis donc. Dis donc, moi, j'ai pas Goron en V. Hein. Une full art. Après, il reste des boosters. Il reste 3 boosters. On était à 16. Donc là, j'en ai ouvert 3. Donc 13. Tu as gardé ça en équilibre pendant ton ouverture. Énergie. Mélocric. Curry épicé au piment. Ah, ça va. Hein. Scalcroix. Chaglam. Pidgeacco. Ça ne tient à rien en plus, regardez. Je fais de la magie. Absol. Ça ne vraiment à rien parce que là, il n'y a rien du tout. Là. Magirem. Elle est. T'as pas compris. Non, de quoi? Ah, je non, suis invisible. Non. Non, ça tient vraiment à rien. Parce ah, que parce que j'ai rien dans le cerveau. Du coup, t'as peut-être un cerveau finalement si t'as réfléchi. Oui. Ok. Non, rien, j'ai bugué. Une gold. Une arc-en-ciel. Goron. Goron V en double. Ouais. En double. Rusticité, Eflèche, Grodry, Barbantua. T'as trois boosters là. Ouais. Yanma, Marcacrin. Oh, trop belle. Oh, j'aime pas le Pokémon, mais ouais. La carte, elle est très belle. Elle est très stylée. Oh, une Vesta. Je croyais que c'était une arc-en-ciel. Un Tiflouzon, c'était marrant. Oh non. Mais bon. Oh, pas mal. Oh, joli. Palki original. Bah du coup, ouais, parce qu'on voit pas le bas. Mais ouais, pas mal. Trop bien. Pas mal. J'ai de la chance. Hein. Booster. Moi, je pack des cartes bien. Très beau booster, même, ouais. Une TG et une Vestar. Une Vestar. Sachant les Vestar, on a galéré pour Je pense que les Vestar, c'est partie des plus rares des cartes. Oui, oui, je pense, ouais. Toujours, parce que c'était le cas sur Star Étincelante, t'en avais une. Franchement, moi, j'ai des belles cartes. Et c'est pas fini, s'il te plaît. Parce que Guillaume. Non, je vois pas que tu parles. Bon, allez, il manque plus qu'une petite foulard dresseur. Allez, ouais, une foulard arc-en-ciel. Une autre foulard. Ouais. Mais t'as tout pris, toi. Ah oui, mais. Mais compte 1, 2, 3, parce que tu vas en ouvrir plus, et en fait, voilà. Ah, mais il y en a un qui peut. Non, 2 et 2. 2 et 2. 2 et 2. Voilà. Bah non, il y a déjà trop piqué. 3, 3. Ah oui, 3. Donc toi, moi, toi, moi, moi et moi. Ça fait 3, 3, 3. Ça fait toi. Moi, toi, moi, toi et moi. Donc je joue maintenant au pire. Et moi? Pourquoi toi t'as le droit d'avoir un plus? J'ai rien eu. Allez, vas-y, prends ton paquet. Bah, et donc tu là j'en ouvre 4. Tu pètes un booster, bah c'est vrai que tu auras rien dans le booster. Ça c'est le booster que t'aurais dû avoir, regarde. Et il y a un code. Voilà. C'est vrai? Oui, c'est le booster que t'aurais dû avoir. Goron foulard. Y'a pas Goron foulard, espèce de noob. Je suis sûr qu'il y a. T'imagines? Ah si, je te tue, je crois. Est-ce que ça valait le coup que je garde ce paquet là ou quoi? Que c'est une V au minimum. Bon, c'est une V, c'est toujours une V. Déjà, c'est une V, une meuf, c'est une V maximum. C'est une V. Crazy, Xerfo, Squidfish, Insécateur, Apitrini, Philali. Ah, Goron non. En feu. En rouge. Démolos. Ah, Utran. Et Atran. Non, mieux. Et Atran, on va dire. Et Atran. C'est quand même. Attends. Hommage à Utran. C'est notre Pokémon qui nous a suivi toute la fin du Let's Play, qui nous a aidé à faire le tous les là. Défis. On devrait le mettre là. On devrait le mettre. Et du coup, dans toutes les vidéos de l'extension, parce que. Bon, alors sinon, quand on aura le radieux. Parce que ouais. Le radieux est plus. Ouais, 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 il est en shiny. Après, on l'avait pas. Oh en shiny. Et pour y aller. Mais. C'est une holo. C'est une V. C'est vrai? Ouais, je vais avoir toutes les V. Mais par contre, on n'a pas beaucoup d'holo. Non. Furéglon, Brindibou, Quillfish. Quillfish, ouais, j'ai réussi.
Bien joué. À la suite. Moustillon. Régirac. Je veux pas savoir parce que c'est nul de toute façon, je suis sûr. Ah, peut-être Fragile Eddy. Oh, elle est jolie. Elle est très belle. Elle est jolie. Fragile Eddy, elle est très très belle. Fragile Eddy. Elle existe en alternative, elle, en full art. Pourquoi j'ai des VC? Bah, t'as eu un radu quand même, c'est pas mal. Ah oui, j'avoue, t'as eu 3 V. Moi j'ai des V-Star, des full art. Allez, 3, jamais 203, allez. Non. Ah, peut-être à l'avant-dernier. Bon, t'as tout eu aussi. Tu piques tout. Tout. Comment ça? Énergie. Escale, proie, chaussure, barloche, forêt. Cormier. Regice. Bah, bravo. Attends, mais t'as ouvert combien de boosters, moi? 4. C'est celui de bonus. Ah ouais, j'ai l'impression que t'avais 10 points que tu ouvres. Ah nul. Y'a rien? Non. Lourd. Donc là, on a 4 V. Oh là 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 là. Eh. Ouais. 4 V. Oh, oh génial. Attends. Ah non, 3. Ouais, c'est ça. Bah, 3. Je pense que c'est comme dans les autres. C'est codé trucs. Si c'est comme dans. Ouais, Star Etincelante. Star Etincelante. Elle est très belle. Garde-moi oui. Cette fille. Tu vois, t'as des cartes. Oui. Bon, elle est à moi. Elle est ça, j'ai une Radiant. T'en as pu ouvrir. J'en ai 3. Et pour le coup, j'ai dit qu'il allait y avoir un flottement, il n'y en a pas eu. On a toujours un petit truc à chaque fois. Donc ça va. Une foulard. Une deuxième foulard. Parce qu'une foulard, ça fait mal. Mal. Très très mal. Ouais. Franchement, ouais. S'il n'y a qu'une foulard, même si on a eu des belles cartes à côté comme Sulfur et tout, ça fait mal. Énergie. Mélocrique. Moi, ça m'a pas Fossil trop mal. Inconnu. Ou alors une deuxième V-Star. Moi, je veux une deuxième V-Star. Érissandre. Scalpion. Caninos. Voltorb de Issui. Furégon. Oh attends. Oui. Ouais. Itran radieux. Elle est trop bien. Oh attends, c'est une quoi? C'est un arc-en-ciel ou pas? C'est un dresseur. C'est ce que t'avais demandé. Hein. Ça peut être nul. Oui, mais bon, c'est t'as déjà dit, bien. Mais non, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Eh, trop bien, Itran. Bah, une V-Max, une V-Star, ouais, c'est pas mal. Attends. Qu'est-ce qu'on veut, vraiment? Bah, Adamantin ou Noctara. Noctara? Noctara. Makara. Attends, doucement. Vas-y, regarde au-dessus. Doucement. Je pense que c'est pas trop mal. La carte est jolie. Même si je sais pas qui c'est. La carte est très jolie. Non, la carte est jolie. C'est pas un beau booster ça. Oh, putain, j'avoue. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plein qui ont eu un radieux et après une carte. C'est plus, vrai. Ouais. Donc ça se trouve, c'est giga lourd en fait dans un booster ça. Bah, ça va se repérer. Vas-y, on va y peser. On va tout peser et après on fera gagner les boosters légers. Non, d'ailleurs, il y aura un concours à Pokémon. Mais en fait, ouais, c'est... Mais au pire, moi, ce que je préfère m'avancer de très loin et dire que. Ça... Si, il y a la Switch qui va arriver dans pas longtemps. Abonnez-vous et vous verrez. Ça arrivera un jour. Non, mais je pense que cet été, ça sera beaucoup plus tranquille. Oui, ouais. Nous, en fait, là, on bouge tout le temps, on a des trucs même tout bah là, le mois de juin. Là, on a eu. Ouais, tout le mois de juin, ouais. Oh là là. Barbie, du coup, c'est un peu compliqué miel, dur, quand on veut faire plein de trucs et en fait, finalement, on se noie dans nos propres idées. Et du coup, on essaie de pas gagner. Jacqueline mais... se noie dans son propre cerveau. Ouais. Elle est propre la carte. Hein. Attends, est-ce que la display est bien là? Ouais, je pense que la display est pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est lourd. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, sinon qu'il reste encore 7 paquets. Et mais on a eu que 4 holo. Donc moi, je dirais, quand t'as pas beaucoup d'holo. Je pense que là, limite, tu gardes les boosters, tu peux gagner. Mais t'es fou, toi. Regarde. Oh, oh. Ouais, une gold. Ouais, c'est possible d'avoir une gold, une arc-en-ciel. Oh là, hein. non, c'est nul. C'est nul. Désolé. Oh, Regigigas. Oh, Lino. Je sais pas qui c'est. Et du coup, je voulais vous montrer, avant de passer aux autres boosters, bah, on voit pas la différence. Il est en shiny, mais bon, bah il a la même couleur. Il y a aucune différence. Parce que je crois qu'il est shiny lock. Il est pas, il a pas de couleur shiny, je pense. Parce que. Ou alors, ils ont essayé, mais ça marche pas. Le brutal ébré, où en fait, au lieu d'être blanc, bah, il est noir. Il est dingue là. Et du coup, au lieu d'être violet, normalement, ouais, il est pas orange, rouge, vert. Orange, ouais, en fait, c'est pas trop mal. Ouais. Mais du coup, on va garder celui-ci en numéro fétiche, tu vois. Là. Comme il nous a suivi pendant tout le let's play. Tout le let's play. Il reste 5 boosters. Donc pendant tout. 6 boosters. Pendant tout, Astre Radieux. Attends, mais on va encore avoir des choses. Non, je pense pas. Je pense pas, hein. Bon, je vais ouvrir la rage. Ouais, parce que... voilà. Bah, je pense qu'on a plus rien. Régidrago. Ils ont tout mis. Les Paragon. C'est qui Régidrago?
Il est dans c'est quoi? C'est des... Bon. Je vois. Et hâte aussi, fin d'année, hein. Oh. Nouvelle extension. Ouais, mais bah, alors des Zolo. Bah, ouais. C'est Zolo, on en a eu que 4. Bah oui. Bah oui. Bah oui, on en a... 5, on en a que dalle. 6. Ouais, 6. 6, ouais, mais c'est 7, hein. C'est plus que ça, normalement. Ouais, je mets pas de suspense, bah oui, mais les gens... Bah, là, honnêtement, on a eu 2 full art, on a eu... Bah si, il peut y avoir une gold, mais je pense ouais, pas. Ouais, une gold, mais je pense pas. On a eu une V-Star. Je pense que c'est gold, ouais, on a une V-Star, sachant que je pense que des... Enfin, si c'est comme dans... Les V-Star, on en a rarement, quand même. Si c'est comme dans... Si c'est comme dans Star et Insolente, les V-Star, t'en as vraiment pas souvent. Oui. Mais vraiment, bien profiter de ta V-Star. Vraiment pas souvent. Mais vraiment. Mais vraiment pas souvent. Après, Dialga en V-Star, du coup. Après, on peut avoir... Par contre, tu peux avoir un display avec 2 V-Star. Oh. J'ai un truc. Attends. Ah, c'était doré. Attends, c'était doré. Attends, c'est quoi? C'est un Pokémon Gold? Attends, non. C'est un Pokémon Gold. Attends, c'est... Non, mais attends, c'est le Gold. Mais non. Mais c'est la meilleure display de tous les temps. Non. Y'a rien. Dialga ou Pokémon Gold? Stika, Yelmega. Non. Goupilou. Arrête. Hérissant. Oh la va. C'est un Pokémon Gold. Bah en vrai pas Crémiral. Après ça sera déjà bien mais. Oh non. C'est Dialga. Bon bah c'est. Non c'est très bien, c'est très elle bien. Est... Elle est insane. Giga bien. Elle est giga bien. Incroyable. Je me suis fumé la gorge. Bah y'a Dialga et Palkia. Et Crémiral. Mais bon. Incroyable. Incroyable la display. Non mais incroyable, vraiment incroyable. Bah, il manque une arc-en-ciel. Il manque une arc-en-ciel. J'ai 2 boosters. Allez vas-y, on y va, on y croit. Bah Pokémon, Sikou, ça un peu, hein. Mais là c'est bien. Quand ah c'est bah comme là, ça, c'est bien. Là, c'est tu bien. Vois, quand c'est là, comme ça, est c'est content. Oh non. Une holo. Tiflosion holo. Punaise, j'ai vu du col, j'ai fait attends. Ouais, moi aussi, j'ai. Non, mais j'ai tiqué. Bah, je sais pas, c'était chelou. T'as tout spoil, le nouveau. Après, c'est normal, hein, les TG, c'est pas. Ça fait pas partie du truc, hein. Mais TG, on en a eu 3. 4. On en a eu 4, c'était le quota, hein. Pidgeon. Non. Bah là, je pense que. Donc là, je pense que voilà. Pidgeotto. Égale ou pas. Punaise. Bah, la petite gold, ouais, bien. Bien. Franchement. Pas trop mal, hein. Bah, c'est pas trop mal, hein. Bah, là, je pense que ça en va là, du lourd. C'est hein. Bien. 1, 2, 3, 4 V. Pas trop. Ça, c'est pas c'est ouf. Bien. Mais, oui, mais c'est bien. On s'en fout parce qu'il n'y a pas des V incroyables, je crois. Oui. Deux radieux. Radieux, c'est moi, peut-être ce que un j'ai petit vu, des... peu trop s'il n'y en a pas tant que ça. Bah, en fait, je crois qu'il y en a 3 différents. J'ai pas... Mais ouais, même mais... s'il y en a... Oui, je crois qu'il y en a 3 ou 4, et honnêtement... Si t'en as 2 si à chaque fois... Si t'en as 2 à chaque fois... Parce que moi, j'ai vu des vis ouvertes en anglais, des displays, et il y en a 2. C'est bien, mais du coup, c'est peut-être un petit peu trop au niveau du quota ça, sur c'est... des cartes. Ça, c'est bien, ouais, ça, mais c'est ça, bien. Je suis sûr que ça sera pas respecté. Je pense que la prochaine, on n'aura pas ah de oui, star. C'est possible, ouais. C'est possible. Donc voilà. Ça, c'est plutôt bien. Cool, parce qu'elle est jolie. Ça, c'est bien pour commencer. Roxane, bah la carte mal. Est très jolie. La carte est ouais. Pas mal. Elle va aller dans notre collection. La gold. La gold. Incroyable. Et donc, du coup, là, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ultras dans l'extension classique. Oui. Donc, dans donc, les 189. Énorme. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Ça, et en plus, ouais. Bah, ça, c'est, ça a l'air d'être comme V-Star. Oui, comme V-Star étincelante, du t'en coup, 4. 3 comme ça. Et une autre. Une comme ou ça. Ou alors, je crois que tu peux avoir 4 comme ça, je crois. Je crois que tu peux en avoir une de plus, ouais. Très contente de l'ouverture. Hein. Franchement, on a eu des belles cartes. Bon, à part Guillaume qui est gouroutant. Toi aussi, t'es content? Mais non, mais il mange les pieds. Il veut, mais mon, parce qu'il est il veut content, mon attention. Hein. Tu vois, t'étais content. Il veut être près de toi. Tu vois, il dormait. Mais... Et donc, 13 ultra pour commencer. Astro Radio, c'est très, 13 très ou 14 cool. Non, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ouais. 14 ultra pour commencer Astro Radio. Je pense que le record va être dur. Je pense que ça va être dur de faire pareil, ouais. Après, il y en a 2 qui comptent moins, donc ça fait 12. Ouais, 12, c'est beaucoup. Quoi. Bah, 12, c'est énorme. Par rapport 12, à... c'est énorme. Et puis, sachant qu'on a eu 3 foulards, donc 3 secrètes et une V-Star. Oui. Tu sais qu'il y a des displays, on avait juste une. Tu sais, qu'on a eu Cynthia là. Bah, j'espère juste que la prochaine display, il n'y aura pas juste une foulard pas ouf, quoi. Genre, ouais. Foulard de Goroutan aussi. Bah... On va vérifier, on va vérifier, si avant, on va vérifier avant. En tout cas, on espère que ça vous a plu cette vidéo. Plaque l'amiral. Mais c'était sûr, mais là, t'as dit plaque l'amiral, tu fais, mais arrête de dire ça, on va la voir, c'était sûr. Bon, c'était objectif, Dialga et Palkia en gold. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis des arcs-en-ciel et des alternatives, parce qu'il y en a des jolies. Et on vous dit à la prochaine vidéo de Kim et Kim. Allez, salut!